Mesdames et messieurs, bienvenue, nous sommes sur Yanskoban. Nous poursuivons le témoin puissant 439. Et nous cherchons à voir comment les gens veulent adorer le diable. Dans le témoin puissant précédent, on a dit que par la musique, par la nouvelle doctrine, des choses assez étranges de ce monde, les hommes adorent le diable ou qu'on se rapproche des démons. Et ici, nous allons aller plus loin. Comme promis, nous allons découvrir des choses extraordinaires. Ce n'est pas la dernière vidéo. Après cette vidéo, nous devons suivre. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner maintenant, cliquez sur la cloche pour activer. Et vous pouvez cliquer directement sur j'aime quand vous serez touché par ce témoignage puissant. Franchement, ce que le diable fait est vraiment pas du tout joli. Et nous avons besoin de savoir des choses qu'on ignore. Écoutons. Siège à dans leur saint siège. Balé banaïto. Les sœurs, ce qu'elles font dans le couvent, tu ne seras pas content. Si tu as une sœur ou un frère au couvent, tu dois beaucoup prier pour lui afin que Dieu puisse le délivrer. Tu sommes ça 44. Jérémie 16, 44. Tu vois une réponse, il y a beau baigner, tu parles de Jérémie, il y a un bonheur. Mais bon, il y a un katala. Il y a un katala, il y a un katala. Disons maintenant Jérémie 16, 44. 44, 16. Ah, Jérémie 44, 16. 44, 16. Jérémie 44, 16. 44, 16. 44, 16. La Bible nous dit ceci. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Asema, bilo netonesa mujina ya wamilele, tunakatala. Apa pana taa hii, apana mambo wa kufuchama. Bantu wana mukatala Mungu kumacho kweupe. Asema, bilo netonesa mujina ya wamilele, tunakatala. Et là, les gens n'ont même pas honte. En clair, là, devant le prophète, tu lui dis, ce que tu nous dis de la part de Dieu, nous refusons ça. Mais, continue. Nous voulons agir. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Le problème d'encens n'a pas commencé aujourd'hui. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Mupatia ubana uyu reno wa kusiele. Ile shimoko banafanyaka hivi haina njuu ya Mungu beko na ni sadaka ya ule malkia ya mbingu. La fumée qu'ils aspergent ce n'est pas pour Dieu, c'est pour cette reine là-bas. Kuku bengine tuko nabo mkanisa benye kupotea kama shilale bushiku anaenda munsoko anauza ile ubani aneka shimoko tone kwa nafamu nyumba na puliza puliza mo. Demo iska nashika harufu. Demo ni esprit. Ile shimoko ni mtu njoo atashikia harufu demo akimbiake ubani kama unapenda leo uende kachome one vile batakuya kama unaechoma ni bale ba mu espace njoo batashuka munyumba maana yake una baonore yo hii Biblia inasema. Alors il y a ceux là qui sont déjà perdus papa, dans les hapo mbele bia rudiridi ile fashi. La Bible nous dit ceci. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Faire quoi? Offrir de l'encens à la reine du ciel. Kutoa ubani kwa malkia ya mbingu. Shuka tena. Et lui faire de libation. Na kumutolea sadaka ya kinyweu. Ile bana presentaka yulu ile kumukakupu. Ile kikombe bana wekaka yulu muku divai. Abikwanjake pabirianzaka zamani sana. Comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de rois et de nos chefs et de rois et de, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Amen. Amen. Utaona mwa iglesia nyingine porte kura iko nakuwa na msalaba mwingine kuna mfuata na ascensor na puliza shimoko ile shimoko demo akimbia kile shimoko hata mloja akimbia yake. Alors vous verrez dans d'autres églises il y a quelqu'un qui porte la croix et l'autre avec l'ascenseur et puis na maya baraka l'autre avec l'ascenseur et de l'eau bénie.
Et là tu verras, c'est le père lui-même avec cette eau en train d'asperger sur les gens. Et d'où vient cette eau? En France, en Paris, muku mutoni moya banitaka sema Kulurdo, le mari de Marigoy anashukaka kila mwaka ku ile mutoni. Kulurdo, c'est une rivière qui se trouve en France, c'est là que cette reine descend souvent. C'est là qu'ils prennent cette eau. Et ils vont donner ça dans tout le monde, dans tout le monde. Et tout le monde prend ça comme étant de l'eau bénie. Et cette eau, là, on est aspergé même sur les sorciers. Qu'est-ce que ça leur fait? Et tu verras une autre personne prendre cette eau, asperge dans la maison pour bien dormir. Alors, démon, c'est un esprit. Même les sorciers, quand ils viennent, ils viendront dans l'esprit. Comment veux-tu que cette eau puisse toucher les sorciers? Il ne faut même jamais prier avec les chapelets. Alors, là où il y a la statuette de Marie, il y a le pouvoir des Zeus. Alors, essaie seulement la nuit. Quand tu veux voir ce que je te dis. Et tu verras d'autres personnes qui mettent ça dans leurs oreilles pour qu'ils ne puissent pas dormir dans des mauvaises conditions. Alors ce sont des le 15 août 715, c'est là qu'ils ont fait l'alliance avec cette reine et ils ont associé beaucoup d'églises à cela pour l'adorer. Ça c'est mon Éphèse. Dans Éphèse, Diane. On l'appelait Diane. Il est mangina na kupangaka yo batoto. Ce sont des noms qu'il faut jamais donner à vos enfants. Najua mu Bible muku mutoto wa Jacob. Mutoto wa Jacob mwa banamuita Dan, ana Diane. Je sais que dans la Bible, il y a un enfant de Jacob qui s'appelle Dan, pas Diane. Bwana sifiwe. Le Seigneur soit loué. Kapanga mutoto Diane. Tu donnes à ton enfant le nom de Diane. Utona mbele atakuwa mzuri sana. Tu verras que cet enfant sera trop belle. Atakuwa possédé na esprit mbili. Elle sera possédée par deux esprits. Ya kiburi. L'esprit d'orgueil et l'esprit de pudicité. Ce sont les deux esprits qui vont accompagner. C'est comme ça qu'elle aura tendance à dominer ses frères même dans la famille. Parce que c'est Diane elle-même qui va descendre pour s'incarner en elle. Nous n'allons pas lire ces passages, nous allons lire ça à la maison. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 24. Il y avait un magicien Démétrius. Je l'avais étudié à l'école de la magie. Elle avait une grande entreprise, c'est là qu'on fabriquait les temples de la déesse Diane. Elle payait, il donnait un bon salaire à ses travailleurs. Il est ma temple. Léon Joy beko na ita sema crèche. Utona mu décembre bantu bananza kufanya ma crèche beko neka mu manyumba. Mutoto yabo anabafanisha bulongo tumankishanega mule. Pakulala bananza kutuanga beko nafanya sala beko na ngaria pa ile mankishi. Et les temples là-bas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui crèche. C'est comme ça que vous allez voir au mois de décembre, beaucoup de gens s'arrangent pour faire des crèches dans leur maison. Et l'enfant s'amuse avec la terre pour fabriquer quelques personnages et mettre ça là-bas la nuit avant de dormir. Les gens s'inclinent là-bas pour prier. Apôtre Paul wakati anaingia ku Efeso alikuta ku Efeso bantu bajue mambo ya Mungu. Et au moment où il était entré à Éphèse, l'apôtre Paul a trouvé que les gens ne connaissaient pas la parole de Dieu. Bible nasema na ile entreprise yenye ya ule Demetrius ilikufwa, balikuwa na fabriquer ma temple ya argent ya ule déesse Diane. Même son entreprise était vraiment par terre parce qu'il fabriquait les temples pour la déesse Diane. Tu n'as pas besoin de faire une crèche au mois de décembre. Tu es en train d'énerver ton Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose du ciel sur cette terre. Il est normal. Et il y a des gens qui font décembre, ça. Dans décembre, on est bilokota tena, on est biweka munyumba, munaanza kubitongia magoti. Bible nasema ba adorateur ba kweli bataadore mu esprit na mu vérité. Alors, il y a des familles qui font le mois de décembre, ils cherchent ces statues là-bas, ils mettent dans la maison. Après, au mois de janvier, ils jettent ça. Un autre mois de décembre, ils récupèrent ça. Comment peux-tu adorer quelque chose et après tu jettes, après tu prends ça? Or, la Bible nous dit, les vrais adorateurs vont le faire en esprit et en vérité. Mois de mai 1993.
Mois de mai 1993. Pendant ce temps là-bas, les élèves qui sont en 6e entrent dans des maquis pour préparer les examens d'état. Mule mu quartier niliko ka nekala kuku ba garçon ba mo ba lingiaka na bo mu maquis. Nilikuwa na bashikiaka beko na sumburia kama beko na funda nilikuwa na bafuataka sana mouvement yapo. Alors ces garçons là-bas, quand ils étudiaient, ils étaient en maquis dans mon quartier. Quand ils étudiaient, quand ils causaient, je suivais leur causerie. Au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait un stylo magique. Il est big magique existe. Et ce stylo n'existe jamais. C'est comme ça. C'est quelqu'un qu'on va tuer. On peut même prendre son doigt. On va transformer ça en stylo. C'est un homme qu'on a tué. C'est son intelligence qui va commencer à travailler dans ce stylo là-bas. Mais frères, écoutez bien cette partie. Nous allons la faire dans une autre vidéo qui va venir après cette vidéo. Écoutez bien. Le jour où mon chef devait prêter serment, Abadolit, vous connaissez cet homme. Il était signalé par ces marabouts. N'utilise pas les stylos que tu vas trouver là-bas. C'était le doigt de quelqu'un. Si tu utilisais seulement ces stylos là-bas, tu seras en dessous de cet homme. Il avait enlevé son stylo. Et son stylo, il avait tué l'un de ses fils. Et quand il avait pris son doigt, c'est avec ça qu'il avait signé. Dans la vie, il ne faut pas être fanatique de quelqu'un. Tu peux applaudir pour diable un jour. C'est pourquoi on a un quelque part. Il faut jamais applaudir pour les gens parce que le diable de foi il s'incarne lui-même dans des hommes. Quand tu applaudis pour quelqu'un. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils applaudissent pour les autres et puis ils prient. Les choses n'évoluent pas dans leur vie. Ok, avant de terminer ce chapitre, je vais ouvrir une parenthèse. Je veux dire sur ça parce que à Kolozi que cela s'est passé. Vers les années 92, il y avait une autorité qui avait quitté Kolozi pour Lubumbashi. Si tu n'arrives pas à Kolozi, on va brûler les usines de Kamoto. Je n'ai pas oublié ce jour. C'était vraiment un jour maudit. Il avait expliqué un long problème que je ne peux pas parler ici. Nous avons pris les gardes civils. On les a trempés dans des fétiches. On était à 30, demain nous allons partir à Kolozi. Et que chacun aille consulter ses esprits. J'étais allé dans le cimetière des sapins où j'avais été 20 esprits. Amen. Amen. Les 20 esprits que j'avais pris, ils devaient m'aider seulement moi. Alors le lendemain quand on devait sortir, on était bombé. Quand on marchait là-bas, c'est le diable qui était avec nous. C'est pourquoi muntu la napendaka bintu bya bantu eh shiba huyu ah mine mwevitaka muntu avile msau ni sataniste huyu ashia kwa na Mungu karibu. Alors si quelqu'un aime les parties, il aime des choses des gens, alors j'évite la personne parce que il n'est pas vraiment converti. Tunafika pa back pa Lualaba. Nous sommes arrivés à Lualaba. Alors on voyait des gens qui sortaient dans les montagnes comme des monstres qui venaient sentir nos odeurs. Et quand ils sentent seulement ton odeur, ils disent tu es de telle tribu, tu peux passer. On avait senti qu'il y avait le feu à Kolozi. Alors et moi et le chauffeur qu'on avait, on faisait le ratissage. Moi, je suivais l'argent et les bonnes choses qu'on laissait dans les maisons des gens. Moi, je n'attaquais pas les gens souvent. J'étais entré dans une maison. Parce que dans l'année 92, je ne serais pas vraiment identifié cette maison.
Je sentais que la maison était déjà pourrie. Mais dans cette maison, il y avait tout. Et j'ai vu qu'il y avait un papa et une maman et c'est l'odeur qu'on sentait. J'ai trouvé deux jeunes filles dans la chambre et les enfants là-bas tremblotaient. Il y avait un groupe d'hommes qui venaient derrière nous, eux c'était pour tuer. Quand ils arrivaient, ils devaient tuer les enfants là-bas. C'est comme ça qu'on avait pu ces enfants les mettre dans les véhicules pour partir avec eux à Lubumbashi. Au niveau de l'eau là-bas, on nous avait arrêtés. Nous sentons l'odeur des insectes. Nous voulons les Alors comme j'avais pitié de ces enfants, je me suis blessé au doigt, j'ai fait un symbole kabbalistique. Mes 20 démons que j'avais pris sont sortis pour combattre les autres. Ils croyaient qu'ils combattaient avec les gens, mais c'est avec les démons, et nous on était partis. Vous savez, la mort ce n'est que Dieu qui signe. Si Dieu, tu ne vas pas mourir, dit, C'est comme ça que dans la vie, on ne doit pas t'intimider en te disant que tu vas voir. C'est seulement que si ta pensée va à ces choses là-bas, c'est comme ça que tu verras quelque chose. Mais si tu oublies ça, rien ne va se passer. Ton afika. Au niveau de la poste, c'est comme ça que les enfants se sont retrouvés lundi. Moi je reste au Bel Air, l'autre je ne connais pas. Je suis allé amener l'enfant là-bas chez lui à la maison. Où est-ce que je peux aller avec cet enfant? J'avais laissé cet enfant chez nous à la maison. Ton nom c'est comment? Je m'appelle Sarah. Cet enfant est déjà chez elle, il a deux enfants. Alors, même l'enfant là-bas ne connaît même pas ce qui s'était passé. Même les gens se posent des questions. Comment est-ce qu'il a eu cet enfant avec l'âge que lui a? Et même, elle m'appelle papa et mes parents, des grands-parents. Et j'ai même dit à ma femme, ne dis pas à cet enfant ce qui s'était passé. Le jour où tu le feras, c'est le jour qu'il y aura divorce entre toi et moi. Parce que c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Alors même mes enfants, pendant les vacances, ils vont chez leur grande sœur en disant que c'est notre grande sœur, Dasara. Je n'aime pas qu'on lui dise des choses pareilles, mais le jour où elle apprendra, elle peut même mourir. C'est pourquoi c'est comme ça, nous en Jésus. Nous sommes tels. Dieu nous a tous déjà mis dans son sang. Alors si quelqu'un veut me poser la question de savoir vous êtes de quelle tribu, moi je me dis il est très loin de la réalité, il n'est pas encore chrétien, il faut l'éviter. Amen. Il est très loin de la réalité. Pour le fiacre Lubumbashi, elle se trouve à Lubumbashi dans un mariage. Si je pouvais laisser cet enfant là-bas, je devais bien ou mal faire? Il ne faut jamais souhaiter de telles choses. Toi peut-être tu n'avais pas vu ça. C'est comme ça que quand tu fais tes prières, toi aussi prier pour le pays. Nous remettons ces pays entre tes saintes. Si le pays se trouve dans les mains de l'Éternel, personne ne pourra aller l'arracher. Alors, tu dois prier d'abord pour Kolwezi là où toi tu es. Ils étaient en train de parler à propos d'un stylo magique.
kulikuwa mmoja wao ndio alikuwa na ile bika anasema shiku wetu tunaweza kashebo tepaka na ibika. Et l'un d'entre eux avait ce stylo, il disait c'est avec ce stylo que nous nous réussissons chez nous à la maison. Anatana pourcentage yenye atapata sema mule musali mimi tenda kufanya formalité mais pourcentage tapata ni kwetu shebo te papa tukaburia ka ibika. Alors il a même cité son pourcentage en disant que dans la salle ce n'est qu'une formalité mais le pourcentage que j'aurai le voilà. Sasa par quoi ba garçon mengine ba trois bala alikuwa na bomumaki. Il y avait d'autres trois garçons. Ili ba pacheka kiu na bobo batafute dawa. Ils ont eu aussi l'envie de chercher des fétiches. Bana kwa kunitafuta. Ils sont venus me chercher. Bana niambia sema tunafanya miaka 2 tuko na présenter examen d'état tuko paka na shindwa. On a fait 2 ans en train de présenter les examens d'état mais on ne réussissait toujours pas. Mena cette fois-ci na shika mani damu ya Mungu ya mtu tuko siri tunaweza kuvuisha mais mambo yetu paka tupate diplôme. Pour cette année nous sommes prêts à tout faire même si le sang doit couler, on est prêts à faire, nous voulons seulement avoir nos diplômes. Non na romu ba. Même si le sang doit couler, on est prêt à tout faire. Cette année, on doit avoir nos diplômes, on doit réussir notre examen. Mes frères et sœurs, ce que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo va vraiment vous étonner. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonné maintenant, cliquez sur la cloche pour la TV parce que ça va être chaud sur Yanskoubana pour nous soutenir. Vous pouvez également cliquer sur Yanskoubana. Vous aurez accès à la page, notre page, que vous allez voir Yanskoubana 2 et Yanskoubana 3. Abonnez-vous aussi sur nos deux autres chaînes et préparez-vous pour cette vidéo. Vraiment, c'est grave ce que les humains sont prêts à faire pour entrer en contact avec les démons. Oh bénite, oh béni, oh béni, oh béni ici. C'est pas oh béni, ça vient des démons. Mes frères et sœurs, prenez soin de vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud.